Très bien, merci Bozali et Belé beaucoup Landabiso sur Kleboa original point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance, pour la fidélité, pour la sagabiso, naipsa kabino, yangonde pe sagabiso, courage, to servir bino na tant oyo boko zela biso to servir bino. To zali en direct de Kinshasa avec votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors mokolo elelo Sabino, comment est-ce que le gouvernement belge va libérer les Bongonzoto, Yamwana Mboka, Premier ministre Yaliboso, Yamboka Nabiso, République démocratique du Congo, Nakombo ya Patrice Emery Lumumba, Boebike Patrice Emery Lumumba, Azali Bongo, Kati Yabato, Basala, République démocratique du Congo, et Banakozoa, indépendance. Alors, Congomani, Bandai Kole, la poète, Ata symbole, Mokote, Anzoto, Naye, et Bakanakozala, Namboka, Nabiso, Ndele, le gouvernement belge, Baiba Kiko libéré, Oezali Bongo, parti, Yakor, Naye, afin que Azala honoré, Namboka, Naye, République démocratique du Congo, Namisala, Nyoso, Oeba Kiko servi, Mboka. TV Zali Radio T, Toko Tike, la Bino Botala, comment est-ce que gouvernement Nabiso, na gouvernement belge, Bazala qui ensemble, pour Nakoluka, le Lenge Kani, Yakozongi, Sanzoto, Ya Patrice, Emery Lumumba, Namboka, Nabiso, République démocratique du Congo, déjà, Mokolo ya lobby mardi nzoto ya Patrice Emery Lumumba et kozala bongo na République démocratique du Congo toko kende biso baso na aéroport pona koyamba nzoto ya Kondo Patrice Emery Lumumba wa tika biso uta mikolo ebele mais azali na histoire na République démocratique du Congo. TV Zali Radio T bolanda bino moko na bilili et ngai na bino tokutani prochainement. Au revoir, bye. Famille est unie, cette famille peut déplacer les montagnes parce que jusqu'aujourd'hui plusieurs personnes souhaiteraient que Paul Diakessé, reste... je ne vous coupe pas la parole. Les téléspectateurs sont en train de remarquer que c'est vraiment le cercueil qui porte la relique de Patrice Emery Lumumba qui vient de faire son entrée dans ce palais d'Egmo où se retrouvent non seulement les officiels belges mais également les officiels congolais. Il faut ici dire, signaler la présence du Premier ministre belge, M. Decroux, qui participe également à cette importante cérémonie. Vous avez la parole. Je reviendrai à ce que j'ai dit. Il faut préciser là-bas, c'est celui qui amène, qui va remettre la danse, le procureur du roi. Oui. C'est auprès de lui que la famille Lumumba avait commencé les démarches, avait d'abord porté plainte. Et que le Premier ministre qui va, qui représente la nation, c'est tout à fait symbolique parce que Lumumba fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors je disais que c'est d'abord la famille qui s'est battue depuis très longtemps pour que cela puisse être possible, et aussi l'unité de la famille. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient que la dépit de Mobutu puisse revenir en RDC, mais sur le fait que la famille n'est pas unie, c'est pratiquement difficile pour que cela soit capable. Elle l'est aujourd'hui Souhaitons-le, mais je ne pense pas. Jusqu'à quand elle sera unie, avec l'impulsion, la diplomatie, comme vous l'avez dit, du président Félix, qui souhaiterait que le Congo puisse se réconcilier avec son histoire, que son histoire ne puisse plus bégayer, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Il faudra qu'il y ait une conscience nationale. Et je pense qu'on ne manquera pas à restituer le corps de Mobutu. Vous parlez des reliques. Le corps de Lumumba ou le corps de Mobutu? Parce que vous avez posé la question, okay. Si jamais la famille de Mobutu était déjà unie. Je disais que grâce à la diplomatie, comme vous l'avez dit, du président Félix Antoine Tshisekedi, si jamais ce contexte arriva, pourquoi pas que le corps de Mobutu également revienne en RDC. Mais pour la dent de Lumumba, il ne s'agit pas d'une relique. Ce terme a été réfuté et par la famille et par la commission préparatoire. Il s'agit de quoi? Du dépouille immortel de Lumumba. Le prof l'a dit que pour nous, Africains, même un cheveu ou un ongle de celui qui est déjà parti, ça constitue sa personne elle-même. Et c'est aussi ça la philosophie bantou. Tchala. Professeur, moi, ma question est celle de savoir, en ce moment, est-ce que vous ne pensez pas que la Belgique, toute la Belgique... Nous sommes ici vandaag samen ter gelegenheid van de teruggave van het stoffelijk overschot van Patrice Emery Lumumba aan zijn familie en aan de Democratische Republiek Congo. Messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes rassemblés ici pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la République démocratique du Congo. Ik nodig de Belgische eerste minister Alexander De Croo en de Congolese eerste minister Jean-Michel Malukonde Kyenge uit om het woord te nemen.
J'invite maintenant le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, chers membres de la famille de son Excellence, Monsieur Patrice Emery Lumumba, et Monsieur Maurice Mpolo et Joseph Okito. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous le bienvenu à cette cérémonie. Une cérémonie de la plus haute importance pour les proches de feu Patrice Emery Lumumba, qui reçoivent aujourd'hui, enfin, la dépouille de leur père et grand-père. Une cérémonie de la plus haute importance aussi pour le peuple congolais, qui aujourd'hui, enfin, prend réception de la dépouille de son premier ministre de son pays. Enfin, une cérémonie de la plus haute importance pour les relations entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, et entre nos deux peuples. Deux pays et deux populations qui peuvent, finalement, tourner une page de leur histoire et entamer un nouveau chapitre. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Eindelijk, dat is het woord dat vanochtend op ieders lippen ligt. En met eindelijk bedoelen we te laat. Veel te laat eigenlijk. Want nee, het is niet normaal dat het stoffelijk overschot van een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang door België werd bewaard. Het is niet normaal dat het stoffelijk overschot van een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang werd bewaard onder duistere omstandigheden, die nooit echt zijn opgehelderd en waar we in het licht van wat nu bekend is, niet trots op zijn. At last, this word is on everyone's lips this morning. And by at last, we mean in fact too late, much too late. Because no, it is not normal that Belgians held onto the remains of one of the founding fathers of the Congolese nation for 6 decades. It is not normal that for 6 decades the remains of one of the founding fathers of the Congolese nation were kept in obscure circumstances, which were never really elucidated, but which, in light of what is known today, do not make us proud. La dépouille de Patrice Emery Lumumba n'est entré en possession des autorités judiciaires de notre pays qu'en 2016. Et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non. Il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba
Au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice et Mary Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice et Mary Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais, Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. De profonds regrets pour les souffrances, les humiliations infligées pendant la période coloniale. Une lettre courageuse et généreuse, comme l'a également reconnu le président Félix Tshisekedi. Une lettre nécessaire aussi, car pour envisager notre futur ensemble, nous devons qualifier sans ambiguïté les passages sombres de notre passé commun. Il le faut si nous voulons tourner une page et entamer un nouveau chapitre de notre histoire. Les jeunes Congolais comme Belges y aspirent. La période coloniale, comme toute époque de l'histoire, est soumise à interprétation et à réinterprétation. Néanmoins, déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les abus et les violences. Ces voix ne se sont plus jamais tues. Le roi des Belges s'est exprimé en ces termes il y a quelques jours à Kinshasa devant le peuple congolais. Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Bien sûr, tout n'était pas mauvais. Bien sûr, il y a eu des bonnes choses. Bien sûr, de nombreux Belges se sont investis dans les colonies avec des nobles intentions. Mais ils ont souvent inconsciemment, mais parfois aussi sciemment,
participer à l'asservissement d'un peuple, à l'occupation d'un pays, à l'exploitation des ressources naturelles et à la spoliation d'œuvres d'art. Il est grand temps maintenant de remettre enfin la dépouille du Premier ministre du Congo, du premier Premier ministre du Congo, à sa famille et à son peuple, d'expliquer clairement ce qui a été la période coloniale et de restituer ce qui a été dérobé. Je me réjouis donc de l'adoption prochaine par le Parlement d'une loi permettant la restitution du patrimoine culturel, comme le propose ce gouvernement. Et je considérerai avec grand intérêt les conclusions de la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Je ne veux pas préjuger de ces conclusions aujourd'hui, mais je les attends avec impatience. Comme l'esclavage, le modèle colonial était un système pernicieux en soi. Il s'agissait bien d'un modèle et d'un système, et il ternit honteusement l'histoire de notre pays. Il nous faudra l'admettre sans embâge ni détour, si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Le gouvernement belge dénonce sans équivoque la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie, tant au Congo qu'au Burundi, au Rwanda et ailleurs. Ce système a mené à de graves violations des droits humains, des discriminations en tout genre et une perception des Africains par certains Belges totalement inadéquats. La perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains a laissé des traces jusqu'à ce jour et se manifeste par des actes de racisme qui sont encore observés de trop nombreuses circonstances dans la vie de la Belgique. Je condamne vivement le racisme. Il est plus que temps d'y mettre un terme définitif. Comme toutes les formes de discrimination, le racisme est non seulement dommageable à celui qui en est l'objet, mais également à celui qui en est l'auteur. Une société inclusive est une société plus riche, où chacun peut contribuer positivement au vivre ensemble et être reconnu pour sa contribution. La communauté d'origine africaine en Belgique apporte une richesse inégalable à notre pays. Cet apport est parfois bien connu grâce à des secteurs très visibles, comme le sport et la culture. Mais notre reconnaissance va également à toutes les Congolaises et Congolais, africaines et africains, devenus belges ou pas, qui apportent au quotidien leur pierre à l'édifice dans tellement d'autres domaines, souvent sans bénéficier d'une quelconque visibilité, comme tout autre citoyen dans notre pays. Nous pensons aussi que les Belges actifs en RDC ont cette même approche. Ces Belges, ces Congolais et ces Congolaises contribuent toutes et tous à ce lien unique, si étroit, entre notre pays. Un lien qui va au-delà de l'amitié, qui s'inscrit dans une approche à long terme, tournée vers l'avenir. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique qui nous permet de nous regarder avec un respect et une franchise renouvelée, au bénéfice commun de nos populations. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, devant le poids historique de cet homme pour son pays et pour son continent, sa contribution majeure à la renaissance africaine et panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message empreint d'espoir et de confiance en l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ce lien qui unit nos deux peuples, dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays, avec un attachement profond aux principes de démocratie et de stabilisation, et le respect des droits
et des principes démocratiques. Les avancements dans les droits humains, en particulier pour les femmes et les enfants, comme la bonne gouvernance. Vandaag herdenken we de gruwelijke moord op Patrice Emery Lumumba. We buigen het hoofd voor zijn nagedachtenis, voor de historische betekenis van zijn land en zijn continent, voor zijn enorme bijdrage aan de Afrikaanse wedergeboorte. Ondanks het plechtig karakter van het eerbetoon dat we hier vandaag brengen, wil ik bij deze gelegenheid ook graag afsluiten met een boodschap van hoop en van vertrouwen in de toekomst. De Belgische en Congolese jeugd loopt over van ideeën en talent. En de band tussen onze volkeren zullen we blijven uitdragen, zowel in moeilijke momenten als in momenten van vreugde. Ons engagement ten aanzien van DRC in de komende jaren blijft ingegeven door onze vastbeslotenheid om het stabilisatie- en democratiseringsproject in het land te ondersteunen. Door onze sterke verbondenheid met de beginselen die de Congolese bevolking vraagt, zoals eerbied voor de rechtsstaat en democratische beginselen, bevordering van mensenrechten, in het bijzonder van vrouwen en kinderen, en goed bestuur. Today, we commemorate the terrible assassination of Patrice Emery Lumumba. We bow before his memory. The historical weight of this person who meant so much for its country and for its continent. To what he meant for the country and what he meant for the Pan-African Renaissance. And I would like to close this ceremony with a message of hope and confidence in the future. Belgian and Congolese young people are resourceful. They are open and they're looking to the future. They will continue to carry this bond between two peoples in difficult times as well as in times of joy. Our commitment to the DRC remains, and our commitment to the country's stabilization and democratization process remains, with a deep attachment to the desires of the Congolese people, the aspiration for the rule of law, for democratic principles, for human rights, especially for women and children, and for good governance. Today is a day of commemoration. But this Monday will always be also a message of strong partnership between Belgian and Congolese people. May this day project us into a bright common future. Vandaag herdenken we. Maar we stellen ook een daad van sterke vernieuwing, van partnerschap tussen de Belgen en de Congolezen. Mogen deze dag het begin zijn van een mooie gemeenschappelijke toekomst. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Mais ce lundi, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun radieux. Merci. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du premier ministre, Patrice Emery Lumumba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale.
Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera, dans les heures qui suivent, le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme, quelle que soit sa condition. Monsieur Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre d'héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du Musée royal de l'Afrique centrale,
musée de Tervuren, monsieur le Premier ministre. J'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées. Et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique, par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation, concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité, combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale, combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées, est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque, en vue d'un développement harmonieux
de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo, au cœur de l'Afrique, et la Belgique, au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux, disait Laurent Baudouin en 1970. Le temps est venu pour que nos jeunes l'apprennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, c'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa, à la suite de la visite de Sa Majesté le Roi Philippe, nous avions eu l'occasion, tous deux, d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux. Tous deux, nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États. Il me revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier, des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Puisse la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui nous réunit ce jour, constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ d'un avenir plus radieux. Je vous remercie. Een vertegenwoordiger van de familie Juliana Lumumba, de dochter van Patrice Emery Lumumba, zal nu het woord nemen. J'invite la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, Père, nos cœurs enseignés 61 années durant, nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde, nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a deux ans, le 30 juin 2020,
nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique. À travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparé dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique? Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il incarnait plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus, pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankoro, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement National Congolais, MNC en sigle. Il devient le premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre.
À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce ne sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement. À l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, venu non seulement pour représenter le président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé à travers cette adresse de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition, mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. We vervolgen dit eerbetoon met een muzikaal optreden van Renelle Bacolé. Renelle Bacolé is een Belgisch-Congolese zangeres, danseres en performer van neo soul en jazz. Ze brengt Dig, een nummer van haar laatste project. Haar lyrische zangstijl dompelt je onder in een ervaring waarbij zelfreflectie, genezing en ontwikkeling centraal staan. Nous continuons l'hommage avec un moment musical. Renelle Bacolé est une chanteuse, danseuse et interprète belgo-congolaise de néo-soul et de jazz. Elle interprète Dig, issue de son dernier projet. Sa façon de chanter, lyrique, presque poétique, dans le sentiment de participer à une immersion dont les mots d'ordre sont introspection, guérison et épanouissement. Hey.
or she. My emotions overflow. So, why should I stop them? There is enough room for thinkers, enough room for open hands. So, why should I close? Why should I close the door of my mission? I dig my mind, it cross my soul. I dig my mind, it cross my soul. Even when you want to stay, this reason keeps me away. I speak to my angel to protect myself. Me and death of the past, I continue to chase. It's like a thick black that surrounds my body and keeps me from overtaking myself. I dread that it's a fear. My chest was a piece of lead. Why deep down? And my mind chooses his thing. The same way I chose my visa, I look forward and try not to see. Bedankt voor dit optreden dat hulde brengt aan onze voorouders en aan de levendige mix voor onze culturen, de levendige mix die onze culturen symboliseert. Merci pour cette performance qui rend hommage à nos ancêtres, témoigne du mélange vivant de nos cultures. De kist wordt zo dadelijk naar de erecour gedragen, gevolgd door de familieleden en de eerste ministers. U wordt vervolgens allen verzocht zich naar de erecour te begeven voor het slotmoment van deze plechtigheid. De Koninklijke Muziekkapel van de gidsen zal de twee nationale volksliederen spelen, De Bou Congolais en De Brabançon. Le cercueil va maintenant être porté dans la cour d'honneur, suivi par les membres de la famille et les premiers ministres. Les délégations seront ensuite invitées à descendre pour participer à la conclusion de cette cérémonie. La musique royale des guides interprétera les hymnes nationaux de Bou Congolais et la Brabançon.
Patrice Emery Lumumba est acheminé vers la cour d'honneur. C'est là où le procureur, je crois, selon le programme, va procéder à la décoration du premier ministre congolais qui a trouvé la mort, nous le rappelons, le 17 janvier 1961. Mais ici, sur ce plateau, nous saluons l'arrivée du professeur Kambai Boacha. Au début, quand nous présentions le professeur Ndaiwel et le directeur adjoint de la presse présidentielle, Paul Diakese, le professeur était en route, certainement qu'il était pris dans un embouteillage. Il nous a rejoint dans cette salle. Monsieur le professeur, nous saluons votre venue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Voilà la dépouille mortelle de Patrice Emery et Lumumba, premier ministre congolais, est acheminé vers la cour d'honneur, là où il y a la partie justice, certainement, qui va rendre hommage à ce Congolais et qui nous a quittés parce qu'il était virulent dans son discours pour dénoncer justement la colonisation. 80 ans de colonisation en République démocratique du Congo. Il était temps pour certains fils du pays à l'époque de dire non à cette colonisation. Et nous rappelons ici qu'à la convocation, la table ronde de Belgique, les historiens qui sont avec nous sur ce plateau vont certainement nous compléter. Il y a une partie de Congolais qui ont fait le déplacement de Bruxelles, mais malheureusement, Lumumba n'a pas effectué ce déplacement parce qu'il était en prison. Mais à l'unisson, tous les Congolais qui étaient à Bruxelles ont dit aux Belges, pas question, nous ne pouvons siéger à cette table ronde que si Lumumba fait le déplacement de Bruxelles et devant cette pression. Lumumba est une source d'inspiration pour lui dans l'exercice de ses fonctions. Il a pleinement raison. Lumumba a inspiré également beaucoup, beaucoup de Congolais. Même après sa mort, plus de 60 ans après, Lumumba continue à être dans la mémoire des uns et des autres. C'est vraiment une référence nationale. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas du tout tort. Aussitôt arrivé à la magistrature suprême, il a mené une diplomatie agissante, Paul Diakese l'a dit au début de l'intervention, pour réclamer justement le retour, la dépouille mortelle de Lumumba en République démocratique du Congo. Mais si nous nous posons aussi les questions telles que Juliana l'a posée, comment étais-tu mort? Quand est-ce que tu es mort? Où étais-tu tué? Et qui t'ont tué? Des questions qui interpellent. Et qui bouleverse même les consciences humaines. Nous allons revenir avec les spécialistes qui sont avec nous sur ce plateau. Le temps de vivre cette émouvante cérémonie qui se déroule en ce moment, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, couvert par le drapeau national, ce même drapeau qu'il avait utilisé en son temps de son vivant. Et il lui fallait l'arrivée de Laurent Désiré et Kabila pour ressusciter ce drapeau. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, et ça il faut se le dire, quand le maréchal Mobutu est arrivé au pouvoir, il avait changé les drapeaux de 1960, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Regardez comment ce drapeau couvre la dépouille mortelle de Patrice Emery et Lumumba. Thank you.
spectateurs, le premier, l'hymne national de la République démocratique du Congo, les debout congolais. Le deuxième, l'hymne national belge. Regardez hein, ce gros plan nous proposé par la réalisation, un gros plan des deux premiers ministres, Alexandre de Croo et Jean-Michel Sama Loukonde. Nous le disions tout à l'heure, sont des moments très, très émouvants. Et j'espère que les nombreux téléspectateurs qui suivent la radio-télévision nationale sont en train de le vivre en même temps que nous qui sommes ici sur ce plateau depuis mortel de Lumumba transporté par le Belge qui l'eut cru 60 ans après le décès, plus de 60 ans après le décès de Patrice et Mary Lumumba. Nous allons tout à l'heure revenir sur, pour décortiquer les discours, hein, on est plus clair des deux premiers ministres, Alexandre de Croo, et qui a vraiment reconnu la responsabilité morale de la Belgique et présenté hein, les excuses. Il a prononcé les mots excuses. Il y a une certaine avancée par rapport au roi Philippe qui avait émis des regrets, mais le premier ministre a prononcé le terme excuse. Il a présenté les excuses des Belges, de la Belgique à la famille Lumumba et les gouvernements belges qui dénoncent la colonisation au Congo, au Rwanda et au Burundi. Très chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que sur ce plateau, hein, il y a le professeur Kambai Boatia qui nous a rejoint. Il est recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Professeur, encore une fois, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher ami. Vous aviez cru à une cérémonie pareille après la mort de Lumumba ? Croire ? Oui. C'était à ce moment-là difficile. Je me suis sucé le temps. À ce moment-là, à ce moment de tragique, de la tragédie, qui pouvait croire, comme on l'avait dit ? Qui pouvait croire ? Aujourd'hui, je crois, parce que le temps fait son temps. Les générations ont changé. Vous voyez ça? Le temps a fait son temps, les générations ont changé. La compréhension internationale a fait son œuvre. Aujourd'hui, je crois. Mais, cependant, qui pouvait croire, vu l'histoire du dominant à dominer, qui pouvait croire que je parle en termes de blanc, pas en termes de belge, qui pouvait croire qu'un blanc, à ce moment-là, en termes de supérieur inférieur, pouvait transporter les dépouilles mortelles d'un noir. Vous voyez comment les choses changent. C'est une grande leçon de l'histoire. Et ceci nous interpelle tous. Et nous regardons cela avec un œil de consolation. Vous voyez qu'un blanc transporte les dépouilles mortelles. Et comme Madame Lumumba l'a dit, écoutez, comment Lumumba est mort? Comment? Écoutez, il ne faut pas laisser seulement aux Belges, aux historiens belges de nous le dire. C'est le moment pour les historiens congolais d'entrer dans le paquet et pour nous dire comment nous avons besoin de ça. Vous comprenez, mon ami, nous avons besoin de ça. Voici comment l'histoire change de temps, et change de conscience et fait prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'un peuple sous l'esclavage, un peuple sans conscience de l'histoire, sans conscience historique, c'est un peuple sans liberté. Le développement d'un pays commence par la prise de conscience. Voilà, cher ami, je veux dire donc que le temps est arrivé pour le peuple congolais, pour les dirigeants congolais, de comprendre que depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, compter, nos mémoires sont assez faibles pour comptabiliser le temps. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés à un moment où nous devons, nous, Congolais, nous devons enseigner l'histoire du Congo aux Congolais, pas l'histoire de la Belgique,
au Congo. Professeur, très important. Juste le temps de dire aux téléspectateurs que le corps, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba se trouverait dans une des deux voitures pour être acheminée dans un premier temps à l'ambassade de la République du Congo à Bruxelles. Et c'est là où va se rendre justement le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Et pour, selon le programme établi, le corps va quitter la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, va quitter Bruxelles demain à 20h, heure locale, 19h, heure de Kinshasa, pour venir ici, en République démocratique du Congo, où des hommages pareils lui seront rendus, tant à Kinshasa qu'à Kisangani, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, et dans son Sankuru natal. Vous aviez la parole, Tchala, vous avez une question à poser à l'un des invités, oui. Paul Diakès, c'est le professeur Ndewal ou le professeur Kambay. J'étais en train de poser la question au professeur avant que l'on prenne ce direct. Le contexte de 1960, Lumumba, la personne était parmi les pères de l'indépendance. Il y en avait beaucoup. Est-ce que vous avez l'élément déclencheur de ce courroux sur Lumumba? Qu'est-ce qui a scellé le sort de Mary Patrice Lumumba? Ce qui a scellé le... Les sorts. Je regarde mon collègue. S'il permet que je puisse le compléter. Oui. Mais je voudrais d'abord dire, avant d'arriver à cette question, que nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique dans l'histoire de la décolonisation. Cette journée, pour moi... C'est une histoire dans l'histoire de la décolonisation. Je pense qu'on y reviendra. Comment, voilà, un demi-siècle après, un peu plus d'un demi-siècle après, la métropole, l'ancienne métropole, pose ce geste dans ce contexte qui nous est présenté ici. On y reviendra certainement. Parce que c'est un grand moment de concorde entre Belges et Congolais. Mais je pense, je suis d'accord avec Juliana, je vous rappelle d'ailleurs que c'est une historienne, Juliana, qui dit que c'est un grand moment de concorde entre Congolais. C'est un grand moment entre Congolais. Alors, si vous voulez savoir depuis quand, finalement, Lumumba est devenu un personnage aussi important, aussi dangereux, entre guillemets, pour le pouvoir colonial, je dirais que c'est probablement à partir de 1958, lors de ses rencontres avec Kwame Nkrumah à Accra. Parce que quand il a été à la conférence d'Accra, il y a eu une rencontre, on dit avec Nkrumah, mais il faut dire aussi avec Sékou Touré, avec Nyerere, bref, avec tous les leaders africains, les grands leaders africains. C'est à ce moment-là que le jeune Lumumba, qui est un homme très doué, arrive à être formé de manière accélérée à l'idéologie panafricaniste et à l'idéologie nationaliste. Parce que à ce moment-là en Afrique, quand on parlait du nationalisme, c'était le nationalisme africain, bien sûr, avec les composantes locales. Nous notons cette date parce que jusque-là, le pouvoir colonial se méfiait plutôt de Joseph Kasavubu et pas de Patrice Emery Lumumba, puisque pour preuve, ils ont accepté que Patrice Emery Lumumba aille à Accra, mais pas Kasavubu. C'est à son retour
lorsque le 28 décembre 1958, il fait le compte-rendu de la conférence d'Accra, n'est-ce pas, à la place communale, ici, n'est-ce pas, la place communale, pas encore, n'est-ce pas, là où il y aura les événements du 4 janvier, mais la place communale de Kalamu, il va faire le compte-rendu, et c'est lors de ce compte-rendu qu'il est devenu un homme dangereux. Dangereux. Parce que c'est à ce moment-là qu'il prononcera les phrases qu'on n'a jamais entendues. Notamment le fait de préciser que l'indépendance n'est pas un cadeau, mais un droit. Que l'indépendance est un droit. Il reviendra d'ailleurs là-dessus lorsque, un peu plus tard, je laisse cette séquence, lorsque, un peu plus tard, on nommera Kazavubu formateur, alors que lui n'était qu'un formateur, il dira à une conférence au zoo, nous pouvons déclarer nous-mêmes l'indépendance. Sans l'aval des Belges. Sans les Belges. Nous pouvons nous-mêmes déclarer l'indépendance. Ceci va faire en sorte que le ministre Ganzhoff van der Merch va avoir très très peur, parce qu'il faut éviter qu'on arrive à cette situation. Sachez qu'à ce moment-là, il y a la guerre d'Algérie. Et la Belgique ne veut surtout pas vivre une situation comme celle-là. Peut-être que je vais trop loin, mais je voudrais simplement dire que c'est à ce moment-là qu'on décide que c'est... Non, il devient formateur. Tout de suite, on lui laisse la possibilité de former le gouvernement. Et gouvernement qui va pouvoir former, et nous sommes à peu près aux dates où il arrive à les former, puisque c'est le 23 janvier, si je me rappelle bien, que ce gouvernement obtient l'investiture de la Chambre des députés, et puis un peu plus tard du Sénat. Nous avons, vous allez prendre la parole, sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous avons deux historiens du passé, il y a également un historien du présent, parce que Paul Diakhiassé, c'est un journaliste de formation, et nous, les journalistes, nous sommes des historiens du présent. Et Paul Diakhiassé, comment vous avez vécu ce moment à partir de Bruxelles avec la remise officielle de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba par les gouvernements belges? Très pathétique. Peut-être que ceux qui n'ont pas vécu la colonisation ne peuvent pas mesurer la hauteur de cet événement. Je crois que le professeur vient de résumer. Mais moi, je dirais que c'est la revanche de l'histoire. Je me dis aussi que, en définitive, Lumumba est mort pour rien. Parce que, en écoutant le discours du Premier ministre Ducrot, il condamne tous ceux qui ont, non pas seulement vilipendé, mais tous ceux qui ont milité pour l'assassinat de Lumumba. Mais aussi, Lumumba est mort pour rien, parce que généralement, les gens disent, ou les communs des mortels, ou même les Belges, pour un peu se disculper à l'époque, que c'est le discours du 30 juin qui avait précipité sa mort. Oui, c'est la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais ce même discours a été tenu par le roi Philippe. Quand le roi Philippe dit, par exemple, quand il condamne l'esclavagisme, le racisme, les tortures et tout ça, c'est ce que Lumumba avait dit. C'est ça la vérité. Effectivement, la vérité, ça blesse. À la seule différence que le roi Philippe vient de le dire 62 ans après. Pendant que Lumumba le disait bien avant. Et le Premier ministre vient de le confirmer encore aujourd'hui. Oui, oui. Donc on a assassiné Lumumba pour rien. Donc ce n'est pas le discours de Lumumba, ce n'est pas ce discours qui a tué. Ça, il faut qu'on enlève ça. Mais il y a eu la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment des facteurs de lobby. Parce que juste après sa mort, rappelez-vous de l'association Katanga et tout ça. Donc si, ce n'est pas pour rien qu'on avait choisi de l'amener à mourir à Chatembo
au Katanga, peut-être parce qu'il gênait un peu les intérêts belges aux minières du Haut Katanga. Cette cérémonie également, je le trouve comme la cérémonie à l'envers du 30 juin 1960. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 30 juin, c'est la Belgique qui accepte que voilà, vous êtes devenu indépendant. Et aujourd'hui, c'est la Belgique qui ramène la dépouille morte de Lumumba vers ses enfants. Comme pour dire, au fait, l'indépendance que vous avez obtenue, ce n'est pas nous qui avons donné l'indépendance, mais c'est vous-même qui l'avez obtenue. Et si vous l'avez obtenue, c'est aussi grâce à Patrice et Mary Lumumba. Et les historiens qui sont à côté de moi vont encore écrire, parce qu'en fait, les recherches doivent continuer pour savoir qui a tué, comment, où et pourquoi. Non pas seulement qu'il faut réécrire l'histoire, les professeurs d'ailleurs qui avaient déjà fait un grand travail sur même le professeur Kambaï, agiteront cet aspect qu'on a restitué la dépouille mortelle de Lumumba. Comme qui dirait Blaise, l'histoire du Congo en général et l'histoire de Lumumba en particulier est encore au début de son écriture. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. J'allais terminer en disant, comme vous l'avez reconnu, la diplomatie agissante, si tout ça, nous vivons ça, c'est grâce au président Félix qui avait une vision tout à fait spéciale. Mais aussi parce qu'il n'a pas vécu la colonisation. C'est comme le premier ministre de Croix. C'est comme le roi de la Belgique. Parce que lorsque Juliana Lumumba avait fait la démarche pour demander le reste, parce que l'information était divulguée, qu'il y avait quelqu'un qui bossait dans Lumumba. Si c'était le roi Albert, je ne pense pas qu'on en arrivait là. Mais comme le roi Philippe n'a pas connu les affres de la colonisation, le premier ministre Deco n'a pas aussi connu cela. Pour eux, c'est affreux, comme il a dit. Oui. Il a reconnu. Il a reconnu ça. Ça signifie que le contexte a beaucoup changé. Et ça a milité pour ça. Et nous pensons que c'est une nouvelle page d'histoire qui vient de s'ouvrir dans nos relations avec la Belgique. C'est plus la relation du dominé ou dominé, pas du tout. Mais c'est la relation où c'est l'histoire. Les lions vont mener à écrire l'histoire à la place des chasseurs. Parce qu'en fait, notre rapport avec la Belgique, c'est l'histoire des chasseurs qui a été écrite. Nous avons subi l'histoire des chasseurs. Et maintenant, les lions qui étaient chassés. Va écrire son histoire. Et ça va commencer aujourd'hui. Et les lions, c'est la République démocratique du Congo. Ça rejoint la phrase de Lumumba qui disait oui. Les Congolais vont écrire son histoire soi-même. Et Lumumba n'est pas beaucoup enseigné dans nos écoles. Excellent. Et ça doit commencer dès aujourd'hui. Heureusement que nous avons des historiens. Mais il y a quand même une similitude. Hein. Les professeurs sont là, vous y êtes. Dans les discours de trois personnalités qui ont pris la parole, Dekrou, Jean-Michel Samalou Kondé et Juliana Lumumba, tous ont reconnu également qu'il fallait aussi prévaloir les noms de Paulo Maurice et Joseph Okito. C'est quand même symbolique ça. Au lieu de voir seulement Lumumba, mais au-delà de Lumumba, il y a aussi Paul, il y a aussi Okito et Mpolo. C'était le combat des enfants de Mpolo et Okito. Mais n'oublions pas que symboliquement, Lumumba était premier ministre et que les deux furent des ministres. Oui. Mais à tout moment qu'on évoque Lumumba, sa mort, en tout cas dans le collectif ou dans notre conscience, nous savons qu'il n'était pas seul. Il y avait aussi Mpolo. En tout cas, pour nous Congolais, chaque fois que Lumumba est célébré, ses co-équipiers également le sont au même moment. Professeur, je suis en train de m'imaginer ce qui va se passer ici à Kinshasa, à Stanleyville, Kisangani, à Elisabethville et dans les Sankourou, quand le corps de Lumumba sera là. Quelle lecture faites-vous tout en faisant promener cette dépouille mortelle partout? C'est une façon de dire aux gens, non seulement on va se limiter au niveau de la géographie parce qu'il y a été dans ces villes, ou seulement réveiller la mémoire collective de dire que voilà, un dieu fils qui était mort, aujourd'hui il est revenu au pays et continuons son combat.
Cambaye. Ah, je croyais que... ils se regardent, les deux grands historiens du pays. C'est-à-dire que, complétant ce que mes voisins ont dit, et ils ont vachement raison, et les Congolais ont vachement raison. C'est un problème de savoir si la Belgique, je veux dire la Belgique esclavagiste, je parle il y a des siècles, depuis le 14e. Pas celle d'aujourd'hui. Pas celle d'aujourd'hui. Si la Belgique esclavagiste, si la Belgique colonisatrice, si la Belgique dominatrice, etc., avait le choix de ne pas tuer Lumumba, est-ce qu'elle avait le choix? Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que la colonisation, l'esclavage, tout ce que vous voulez, s'établit, ponctue sur des relations de supérieur à inférieur, de l'homme au non-homme, si je peux ainsi m'exprimer, vous voyez, de l'homme à l'animal. L'animal, on peut le tuer. Mais que maintenant, l'animal ose dire, je ne veux plus être traité comme un animal. C'est très fort. C'est très fort. Depuis quand? C'est à cause de vous, à cause de l'animal que moi je vis, à cause de vos richesses, à cause de ce que cet animal, on n'a pas de lion, à cause de cet animal, moi je suis à l'aise, je peux traire le lait, je peux m'épanouir au cœur de l'Europe, tout comme la France, tout comme l'Angleterre, tout comme ces pays capitalistes, impérialistes que vous voulez. Ils n'ont pas le choix. Et que quelqu'un vienne parler, tenez-nous bien, de la liberté, pas de l'indépendance. Mieux vaut être libre que esclave. Mieux vaut être libre et esclave et libre que d'être riche. Lumumba le dit et c'est biblique. C'est biblique et mystique et mystérieux. Vous comprenez? Que quelqu'un vienne parler aux Belges à l'époque, aux impérialistes à l'époque, vienne parler de la liberté. Que vous parlez d'indépendance avant, on vous donne votre drapelet, on vous donne votre voiture, on vous donne votre ceinture. Vous habitez Kalina, vous avez des drapeaux, vous êtes aux Nations Unies, etc. Voilà, ils sont contents, ces pauvres noirs. Mais que quelqu'un parle de la liberté, voilà la faute. Il disait ceci, professeur, mieux vaut être libre et pauvre que d'être riche et esclave. Mais c'est clair. Ça, c'est la phrase de Lumumba. Mais oui, mais tout à fait. Et Jésus ne disait pas le contraire. Vous comprenez? Donc, que quelqu'un vienne parler de la liberté en pleine domination. Donc, la Belgique n'avait pas le choix. Voici quelqu'un qui va pourfendre notre royaume. Voici quelqu'un qui ne nous aime pas. Alors celui-là va passer au bûcher. Et ceci se trouve dans l'ADN, si je peux dire, dans l'ADN de Lumumba, dans l'ADN de tout homme. C'est pourquoi on vous demande le courage, n'ayez pas peur. Et de tous ceux qui étaient autour de Lumumba, de ceux qu'on appelle aujourd'hui pères de l'indépendance, Lumumba était le plus courageux. Était le plus courageux. C'est cela la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, maintenant que la Belgique s'est rendue compte, ben, je veux dire, les Belges, copains aujourd'hui du président congolais, le roi Philippe, copain du président congolais, 60 et 63, sont des amis, se sont certainement vus à Bruxelles, se sont dit, cette affaire de la colonisation ne nous regarde pas, est-ce que nous ne pouvons pas bâtir nos relations autrement? Vous voyez, l'histoire autrement. C'est avoir une vision. C'est avoir une vision. Ainsi, le roi de Belge a dit, mais écoutez, pourquoi nos relations entre deux pays doivent rester aussi tendues à cause de, aujourd'hui, banalité? On l'a dit tout à l'heure, il est mort pour rien. Oui. À cause de banalité. Non, écoutez, cher copain, écoutez, Félix, viens un peu avec moi. Philippe, écoutez, nous allons un peu quelque part à Matongué prendre notre bière, mais tu sais cette affaire-là. Professeur Nayuel, vous allez peut-être ajouter ce que le professeur Cambaye vient de le dire, mais il y a aussi un autre aspect, outre la remise officielle d'un dépouille mortel de Patrice Emery Lumumba, il y a aussi le patrimoine culturel congolais. On a évoqué les discours qu'on a suivis, symboliquement le roi a remis le masque est soukou au président de la République, mais il faut une commission pour essayer d'organiser les choses. Ça joue aussi un rôle dans ces relations entre la Belgique et le Congo aujourd'hui. Oui, tout à fait, d'accord. En fait, il y a beaucoup de symboles dans ce qui se passe ces derniers temps. Le fait de la remise
du masque est un acte de symbole. Cette cérémonie en soi est aussi un acte de symbole. Excellent. Mais je voudrais d'abord donner deux, trois précisions qui me paraissent importantes. Allez-y. Spécialement ce qui concerne Maurice Mpolo et Joseph Okito. Maurice Mpolo était le ministre de la Jeunesse et Sport du gouvernement. Tandis que Joseph Okito était, le 30 juin, c'était le deuxième vice-président du Sénat, le président étant Iléo, le premier vice-président étant Massangou. Mais il se trouve que Iléo est devenu premier ministre lorsqu'on arrête le Mumba et que Massangou est de toute façon au Katanga dans le cadre de la sécession. Donc, Okito est en première ligne comme président du Sénat. Et normalement, Joseph, le président de l'Assemblée de la Chambre des députés, aurait dû aussi, Joseph Kasongo, aurait dû Kasongo, aussi être justement de la partie, mais il s'est désisté. Donc, voilà pourquoi on parle des trois. Parce que ce sont des compagnons d'infortune. Okay. Mais, certainement, il ne faut pas qu'on oublie que quelques jours après, d'autres nationalistes mumbistes vont être exécutés, notamment Jean-Pierre Finan et Christophe Mouzungu. Oui, le papa de notre ambassadeur au Congo. Oui, exact. Et Finan, ancien gouverneur de la ville. Voilà. Oui. Finan, papa de la chanteuse Abeti. La Betty Masikini. Donc voilà, Emmanuel Nzuzi. Donc, et d'autres, Lengesa, Fataki, etc. Donc c'est toute une série d'exécutions. Il y a les trois premiers. Exécutés par les Belges. Ça, c'est une grande question. Parce que dans le discours, c'est pas le moment de sortir des sujets qui fâchent. Ok, d'accord. J'aurais voulu que le Premier ministre belge parle de la responsabilité, mais pas d'ajouter morale. Parce que c'est de la responsabilité. Parce que lorsque vous envoyez quelqu'un chez un bourreau, chez son bourreau, tout en sachant qu'il sera tué. Vous savez bien pourquoi vous l'envoyez. Vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire que moralement. Non, moi je ne le savais pas. Non. Je l'ai envoyé pour être tué. Voilà. Donc juste ça. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut il faut clôturer ces pages douloureuses, mais il y a un petit mot qui manque, parce qu'il ne faut pas non plus tourner la page trop vite. Parce qu'il y a un petit problème qui reste, c'est celui de la justice. De la justice. J'ai apprécié le fait que la ministre d'État de la Justice soit là. Parce que quand Julien a dit « nous ne savons pas quelle date », nous nous en tenons au 17 janvier, parce que c'est le jour où on l'a amené. Et on sait qu'il est mort ce jour-là. Mais dans les faits, mon collègue a écrit là-dessus d'ailleurs, dans les faits, on nous a d'abord dit qu'il a fouillé de la prison. On nous a même montré des images du mur. Du bluff. Et puis ensuite, on nous a dit, ah, ce sont c'est la population, les villageois qui l'ont liquidé. Et le médecin, le docteur Peters, c'est quand même étonnant pour un médecin, a signé. Que a prêté le serment d'Hippocrate. Oui, a signé comme quoi il est mort au mois de février, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu beaucoup de choses. Et puis tout à l'heure, nous avons dit qu'il est mort à Chilatembo, je l'ai dit, c'est même une erreur. Avant d'arriver à Likasi. Oui, non, en fait, il est mort dans un terrain vague. Mm-hmm. Et là, je voudrais remercier mes collègues, nos collègues de Lubumbashi qui ont mené une enquête.
Vos collègues professeurs. Professeurs, historiens à Lubumbashi. Oui. Ils ont mené l'enquête. Disons que les Belges au Katanga avaient l'habitude de s'adonner à des activités cynégétiques, leur sport pour aller tuer des bêtes en forêt. Et ils avaient l'habitude de se réunir dans un terrain vague à côté de Chilatembo. Et donc la population avait l'habitude, après qu'ils soient passés, d'aller voir s'ils n'ont pas laissé une boîte de conserve. Et les récupérer. Professeur, voilà. vous voulez ajouter quelque chose? Non, sur ce que le professeur Ndewel va. Peut-être que le professeur Ndewel va terminer son idée. Puis, oui, allez-y, professeur. Non, juste ce que je voulais dire, j'ai terminé. Je voulais dire que l'histoire est une science et nous continuons à l'apprendre. Il y a des informations qui apportent. D'ailleurs, nous aurions pu en ce jour citer un nom. Lequel? Celui de Ludo Martins. Non. De Witt. Ok. De Witt. Ludo de Witt. S'il n'y avait jamais eu le livre de Ludo de Witt pour jeter la pierre dans la mare, il n'y aurait jamais eu, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage au niveau parlementaire en Belgique pour arriver à savoir ce qui s'est passé. Pourtant, les officiels belges, maniant les archives, avait tous les éléments. C'est parce que lui, Ludo de Witt, a donné des informations qui ont dépassé le politiquement correct, qu'il a été nécessaire d'arriver à tout ce qui est arrivé après. Donc finalement, le Parlement belge s'est réuni pour arriver à la conclusion encore de l'anesthésie. Non, c'est une responsabilité morale. Ouais. Professeur. Donc, vous voyez. Mais ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. Nous célébrons aujourd'hui le geste ô combien significatif de la Belgique de faire amende honorable, peu importe la sémantique, regret ou excuse, ou responsabilité ou pardon. On fait c'est le geste posé qui compte honorable et il y a une volonté une réelle volonté que nous devons saluer pour aller plus loin, pour avoir des rapports sereins avec le Congo et le Cameroun. Et en rapport justement, Tchala, vous allez poser la question tout en regardant bien sûr ces images. Ça c'était le départ de la dépouille mortelle du premier ministre Patrice Emery Lumumba au niveau de notre ambassade, tout en rappelant, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé l'a dit dans son discours, que Maurice Mpolo, Joseph Okito ont été récemment admis dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade des grands officiers, donc le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en élevant Mpolo et Okito à ce rang-là, voulait justement également honorer leur mémoire et leur courage héroïque. Et le président n'avait pas tort, il n'y avait pas que Lumumba, il y avait aussi Mpolo et Okito. Et les scientifiques qui sont ici sur ce plateau l'ont démontré, les rôles joués par les uns et les autres. Tchala, vous aviez une question à poser? Ma question justement au professeur était celle de savoir qu'est-ce que les Belges ont utilisé comme élément pour opposer les Congolais? Parce qu'il faut quand même reconnaître que Lumumba, même les Belges s'appuient sur ça pour se dédouaner un tout petit peu. Lumumba est passé par les mains congolaises pour arriver jusqu'à Lubumbashi, lieu de son sinistre assassinat. Qu'est-ce que les Belges ont utilisé pour opposer ces Congolais et réussir à les convaincre que Lumumba était la personne à abattre? Professeur Kambay. Professeur Kambay. Écoutez, dans cette question, il y a la réponse. Qu'est-ce que les Belges ont utilisé? Il faut alors, pour répondre, dire qu'est-ce que les Belges cherchaient au Congo? Qu'est-ce que les Belges, les Français, les Anglais, les Américains, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au Congo? Il y a une réponse simple. La richesse.
la richesse. L'histoire a démontré, la géographie a démontré, tout est aujourd'hui démontrable que le Congo est un pays riche à tout point de vue, même au point de vue de situation géographique. Alors les gens qui habitent là, il y a un qui veut vous dire, écoutez, apprenez à être libre. Cette richesse, c'était pour vous. Ben, qu'est-ce qu'elle dit, celui qui dit, soyez libre. Et il a raison. Mais entre-temps, les Belges ou les impérialistes, à ce moment-là, ils vont opposer. C'est un système normal. C'est une équation normale. N'est-ce pas? Vous voulez bien régner? Créez le désordre. Vous voulez gagner de l'argent? Créez le désordre. Vous voulez gagner beaucoup d'argent? Créez simplement le désordre. C'est vrai. Alors, on a dit le Katanga est riche. Ok. Il y a Lumumba qui veut la liberté. Ben, on utilise le Katanga pour dire que, écoutez, ce type-là est en train de vous tromper. Le Jekamine est à vous. Ceci est à vous. Celui-là est orgueilleux. On va au Kassai, on prend un certain, je ne veux pas citer le nom, on prend un certain, il dit voilà, ce type-là, d'abord il est Moulouba d'en haut, il est contre Moulouba d'en bas, voici l'arme, tué, etc. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont divisé pour bien régner. Oui, Paul. J'ai trois éléments que je voulais ajouter. Le premier. Par rapport à Lumumba. Je me rends de plus en plus compte que Lumumba, la mort de Lumumba est à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons l'agression à l'Est. C'est-à-dire, quand je vois l'histoire du Congo depuis la mort de Lumumba, nous allons de crise en crise, de conclave en conclave. Et il était visionnaire, vous allez parler. Il était visionnaire à cette époque-là, déjà en 1958, il a parlé de la balkanisation. Oui, c'est un terme qui est utilisé, qui est souvent utilisé par... Le dirigeant africain, notamment le Kwame Nkrumah, le Sékou Touré, parce que c'était lié à la société qui était au Balkan, en Yougoslavie. Mais alors, Lumumba, sa mort, donc, a ouvert une période de crise, une période incertaine de la RDC. C'est que le Belge, je me dis, en tuant Lumumba, ont voulu falsifier notre destin. Ils n'ont pas voulu que nous soyons heureux. Parce qu'en fait, s'il faut voir ce que notre pays regorge, on serait plus heureux qu'aujourd'hui. Deuxièmement, Blaise, Lumumba n'est pas mort. Quand nous suivons ces images, quand nous parlons de Lumumba, la tendance, c'est de penser que Lumumba, c'était un vieux papa. Hein, parce qu'on pense que c'est... De 60 ans, c'est un vieux mort, papa. Il est mort jeune. Mais comment? Ça, il faut se le rappeler. Ça a 33 ans. Oui. Mais comment? Oui. Il est mort jeune. Alors, Serge, je me dis, mais si nous. Si c'est blaise. J'observe mes 33 ans de jeunes d'aujourd'hui. Oui, oui. Qui pouvait avoir. Le courage. Cette allure. Cette vision. Mais comment donc? Vous savez que nous sommes. C'est comme si nous avons beaucoup régressé. Et nos enseignants qui sont à côté de nous, peut-être vont tout faire pour changer les choses. C'est une interpellation aussi pour notre jeunesse. Ajoutez aussi que Lumumba n'a pas fait l'université. Vous vous rendez compte? C'est fait un postier à Kisangani. Et derrière Kisangani, voilà pourquoi on va amener son corps à Kisangani. Parce qu'à Kisangani, c'est là où il a commencé la politique. C'est là où il a fondé son parti politique. C'est à Kisangani où il y a plus de souvenirs de Lumumba qu'en dehors, que dans toutes les villes de la RDC. Alors vous imaginez quelqu'un, un posteur qui s'engagne, mais qui devient populaire, qui devient national. Et il vient à Kinshasa, il s'impose. Alors qu'à Kinshasa, il y avait la Bako, voyez-vous. Il y avait la Bako à Kinshasa, mais le monde vient ici, il devient autant populaire que Kassavubu, au point de remporter les élections. Et par respect, par esprit de gratitude, il a accepté que Kassavubu soit président. Et il a dit à Boli Kango, qui était son allié, mettez vos ambitions à côté parce que Moutamount m'a beaucoup aidé. Je verrai qu'il soit président. Donc les conflits, troisième élément, les conflits montés de toutes pièces entre Lumumba et Kassavubu, c'était du cynisme belge
pour éviter entretenir la division. Qu'on soit dans la paix et qu'on soit heureux. Oui. Et quand vous dites que à la table ronde, les politiciens, non, le premier qui a dit avant que nous puissions commencer, c'est Kassavubu, avant que nous puissions commencer la réunion, libéré de l'amour de Lumumba. Oui, une idée qui était épuisée par les Lumumba autres. Lumumba n'avait jamais été ennemi à Kassavubu et vice-versa. Mais ce sont de manigances qui ont entretenu des lobbies qui voulaient continuer à contrôler le Congo et qui ne voulaient pas que ce pays soit ce qu'il veut. Nous tendons vraiment vers la fin de ce plateau spécial. Nous rappelons aux uns et aux autres qui viennent de prendre la RTNC. Très chers téléspectateurs, nous venions d'assister à la remise officielle. Pris la parole ce matin, il y avait une similitude dans le discours. On a vu le moi qui était sur le visage des uns et des autres. Une cérémonie très émouvante. Professeur Ndaiwel, professeur Kambai Boacha, Paul Diakese, vous aviez assisté à ça. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir, chacun à son tour, nous pouvons retenir de cette journée avant, bien sûr, de rendre l'antenne. Professeur Ndaiwel. Les trois discours ont été des discours forts, des discours majuscules, des discours qui appellent à être intériorisés avant d'en parler. S'agissant de M. De Croo, j'ai retenu surtout cette volonté de demander pardon pour plusieurs raisons. Il a commencé par évoquer le retard, mais eux aussi le reste. Notre Premier ministre, Samalou Kondé, a bien représenté le chef de l'État en disant tout notre vouloir, notre volonté nationale d'abord de saluer le geste posé par la Belgique, mais aussi de donner à notre Premier ministre, notre tout premier Premier ministre, l'hommage qu'il mérite. Et le programme nous le dit dans la suite. Les mots de Juliana ont été sans doute les mots qui seront retenu le plus. C'est un discours extrêmement riche où elle a commencé par s'adresser à son père. Ensuite, elle a remercié le roi et la Belgique, le gouvernement belge pour tous les efforts qui ont été faits. Et puis ensuite, elle s'est adressée à nous, Congolais, en disant que cette cérémonie ne devrait pas être tout simplement une occasion en plus de vivre des événements de deuil, mais vraiment se rappeler de Lumumba, c'est continuer son combat. Il a parlé du combat inachevé, le combat de l'unité nationale, le combat de la fraternité congolaise, de la fraternité panafricaine et le combat pour la démocratie, la construction d'un pays qui soit réellement moteur pour l'Afrique. Paul Diakese, les trois discours sont très profonds. Seulement, je souhaite que là je m'arrête au discours de De Croo, je dirais moi ce discours de Juliana. Que ce que le Premier ministre belge a dit, il est du parti, il est libéral, son parti est au pouvoir. Notre souhait, nous en tant que Congolais, que tous les gouvernements belges qui vont succéder puissent avoir le même langage, la même lecture de la chose, les choses. Mais ce que nous continuons à attendre, c'est le pardon. Même si de notre vivant, nous, ce mot ne sera pas prononcé, même pour nos enfants. Future. La Belgique doit nous demander pardon. Il n'y a pas que la mort de Lumumba. Il y a des choses encore pires que ça. Et le discours de Juliana, ça c'est un discours qui fera date. Certainement lorsque
le temps permettra qu'on fasse la collection scientifique de la vie de l'histoire, les écrits de Nayouer, les écrits de Kambaï Boadja, ses discours également, si figurant. On l'a vu couler ses larmes. Et en parlant, nous tous, les enfants des Congolais, effectivement, nous qui avons eu des parents qui ont vécu avec le Mumba, j'espère que vous aussi. Moi aussi, oui. Donc, nous tous, des enfants comme Juliana, nous avons cette souffrance. Et Juliana n'a pas encore fini de parler. Aussi longtemps que ces quatre questions ne trouveront pas de réponse, sa voix qui ira toujours. Et c'est le seul enfant de Lumumba, apparemment, qui a cet esprit. Et c'est elle qui avait porté plainte, qui avait demandé au roi qu'elle puisse porter plainte pour retrouver le dépouillé de son père. Au nom de la famille. Bien sûr. Professeur Kambaï Boadja. En attendant ces trois discours, moi, je dirais, sans peut-être risque de me tromper, on croirait que les trois se sont concertés. Alors que, à mon avis, ils ne se sont pas concertés. En attendant ce discours, je veux dire que dans le cœur, dans l'âme de chaque Congolais épris de la liberté, il y a ce discours-là. Il y a ce discours-là, ponctué par, premièrement, par la liberté. Les Congolais n'ont pas cherché autre chose que la liberté. Regardez le discours de Lumumba, il y a ce mot-là qui revient plusieurs fois. Et Lumumba vous dit, n'ayez pas peur. Ça date depuis Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ensuite, voici des cérémonies qui montrent très bien que désormais, les deux pays et la Belgique et le Congo, désormais, je ne dis pas qu'ils doivent oublier, mais ils doivent assumer leur histoire. C'est collé sur notre dos. Mais on doit enseigner cette histoire, non pas pour se venger, comme mon collègue Isidore le dirait, nous ne voulons pas nous venger, ça ne sert à rien, mais nous devons assumer. Au-delà de ce discours, comme tous les trois l'ont dit, au-delà du discours, le mot démocratie, le mot liberté, le mot progrès, le mot de développement est sorti. Donc, le moment est arrivé pour que les Congolais sachent que malgré tout ce qui est arrivé, nous dépassons cela pour nous assumer et aller vers l'avant. L'histoire nous apprend à assumer ce que nous sommes. Et basé sur les faits, nous sommes dépassés peut-être par les faits, mais on ne peut pas rester sur les faits. Comme l'a dit quelque part Kizerbo, nous prenons les cendres, nous prenons le feu, pas les cendres, nous prenons le feu pour chauffer notre sang et travailler. Vous verrez ce que le Congolais sera quand il écrira son histoire dans la liberté. C'est ça les trois discours pour moi. Tout honneur mérité, très chers téléspectateurs, revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui au travers de sa diplomatie, depuis qu'il est arrivé, depuis son accession à la magistrature suprême, a mené des actions aujourd'hui devenues concrètes, et surtout avec le rapatriement de ce dépouille mortel de Patrice Emery et Lumumba. Nous rappelons le programme. Actuellement, le corps se trouverait au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Le Premier ministre y est avec les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de la capitale belge pour cette importante cérémonie. Demain, à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Bruxelles, l'avion qui transporte la dépouille mortelle du premier ministre Patrice Lumumba va quitter Bruxelles pour Kinshasa, et sur place au pays, le corps sera à Kinshasa, va se rendre à Kisangani, à Lubumbashi et au Sankuru, au natal de Lumumbaville. Il faut préciser que le corps restera en Djili, oui. Et ça va d'abord à Tshombe. Ok. Ça reviendra à Kinshasa après, oui. Lubumbashi. Avant de faire le tour. Je vais vous dire que... Oui, professeur. Si on voyage à Lubumbashi, je dirais aux Congolais,
aient pris du sens de liberté d'aller visiter, parce que le lieu existe. C'est entre Lubumbashi et Likasi. Moi, j'étais. Quelque part là. Moi, oui. J'étais. J'ai oui. vu l'avion. Oui, il y a un avion qui est là. J'ai vu l'arbre. Sur la route nationale oui, numéro 1. J'ai vu l'avion. On voit l'avion. J'ai même arraché quelques comment on appelle ça, manzanza. Pour en faire Ça souffle chez moi. Monsieur c'est des choses chez Kimbangu. Merci. Vous voyez. Merci pour ça. Voir l'arbre où il était attaché et tout cela. Merci. Ceci est très important. Et les tentatives du premier gouverneur de Katanga de refaire l'endroit. De ça, refaire ça peut être un endroit touristique, touristique. Voilà, aujourd'hui abandonné à propos de cette émission. J'espère que le ministre Modéro qui nous suit. Et je crois que c'est en cours. On est en train d'aménager. D'en faire un site touristique. Voilà. Ça vaut la peine. Voilà. Écoutez, merci professeur Isidore Ndayuel d'avoir répondu à notre invitation. Merci professeur Kambay Boacha. Merci également merci. À cet historien du présent, Paul Diakiesse, journaliste de formation, directeur adjoint à la presse présidentielle. Merci à mon estimé confrère Eddy Etchala d'avoir été associé à ce plateau spécial et consacré, très chers téléspectateurs, à la remise officielle de la dépouille mortelle du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le corps quitte Bruxelles demain. La RDC a été représentée par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Premier ministre dépêché bien sûr à Bruxelles par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi ça, les nouveaux narratifs, rendre compte à la population de ce que nous faisons. Merci à Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement dans d'autres circonstances. Merci. Clément.